Salut tout le monde, c'est Largo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rogue Legacy pour l'épisode 7 pour à nouveau essayer de retrouver le boss en fait et en même temps du coup juste en vrai foncer pour retrouver le boss et en même temps s'équiper, s'améliorer notre équipement. Bon là j'ai choisi un méga pif parce que je vous parlais mais du coup voilà. Du coup on est parti. 132. 132 pièces. J'ai pas fait gaffe mais 132 pièces. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec 132 pièces? Non. Ouais, c'est déjà équipé. Ok. Et dans les améliorations là, là-dedans, il n'y a pas des trucs à 132 pièces. Si. 100, ah merde, 180. 220. 190, 400. Ok. Et là, ouais. 140, ah merde! Putain, ouais, ok, il faut monter à 140, peut-être pour l'enchantresse. Je sais pas ce qui est le plus intéressant. Donc là, on sauvegarde avec l'architecte comme d'hab. Sinon, ça va être chiant, quoi. Ok, on trouvera peut-être des... Ok, enlève le truc que ça. Vas-y, sors mon chaton. Voilà, 2-1. On va reprendre. Ok, du coup, amusez-vous bien, vous trouverez peut-être des trésors qui ont échappé à vos ancêtres. Nickel. C'est vrai que, ouais, c'est une belle phrase d'un architecte qui sauvegarde le bâtiment. Moins 130 dehors, toujours le voleur. Et moi, je suis niveau 9 toujours. J'ai pas... Bon, j'ai pas augmenté entre-temps, évidemment. Ah, alors... Là, on essaye d'avoir quand même des pièces. Merde. Hop. Sachant que là, il n'y a pas d'autres points, je crois. Il n'y a pas moyen de sauter. Alors, où est-ce qu'on peut aller? On peut aller en haut à droite. Ou en bas à droite. Donc là, on est où? On est à gauche. Je crois qu'il y a des mobs chiants quand même à droite, donc il faut faire gaffe. Mais du coup, dans la logique... Ouais, voilà, c'est cela. C'est ces mobs là. Tac. Ici. On déverrouille une salle. Quoique, je sais pas si on l'a déverrouillée ou si elle était déjà de base. Coucou. Ça c'est... C'est pas un faux tableau, ok. Merde. Ok, nickel. On saute par là. Ok. Oh yes, on peut échapper au piège en fait si on ressaute dessus. Merde, comment on fait là? Ok, bon, allez, on fonce. Ah, ok. C'était marqué une petite burger. Mais ouais, en vrai, c'est trop compliqué. Les capacités de classe avec A. Ah ouais! Parce que moi, je disais E juste. Ok. Paladin. Du coup, il y a des capacités de classe aussi. 12 pièces, ouais, non, j'ai rien. Donc, ah, là, la vue est un peu restreinte. Donc, putain, j'ai failli l'oublier. Faut vraiment que j'y pense à tous les coups à l'architecte. Faut que ça devienne une habitude. Parce que sinon, on est dans la merde. Bon, alors, à la suite, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, du coup, comme salle? On peut aller... du coup, ouais, on a la map, là, en vrai. C'est tab pour la map, voilà. Alors, où est-ce qu'on peut aller? On peut essayer d'aller en bas, en haut à... Ouais, en... à droite en haut. On va essayer ça. Bon, on se prend une petite pièce. Il y a 12 heures au début, j'ai l'impression, à chaque fois. Hop, tac. Hop. Ici, on est déjà allé. Ouais. Là. Oh, on n'y est pas déjà allé. Oh putain. C'est compliqué quand même là. Merde. Ok. C'est quoi ce truc? Merde. C'est rien. Ok. On a des pièces d'or. Combien d'or? 96. Putain. Faire gaffe. Oh putain. Faire gaffe. Trop faire gaffe.
Non, non. Oh putain, j'ai trop peur. Non. Merde. Oh bordel. Il nous fallait juste 54 or en plus. Non, 44. Merde. What? On vous refuse toujours l'accès des montagnes. C'est trop violent. Nanisme. C'est si mince que vous voulez à chaque coup. Putain, on est tellement petit. Voilà, on ne plaît pas l'architecte. Et bon, si je le passe à chaque fois l'architecte en vidéo, ce serait quand même long. Enfin, ce serait compliqué à faire déjà aussi. Donc je vais le laisser tout simplement. Au passage, je parle à l'architecte. À chaque fois que je passe. Ok. Là, on va pouvoir foncer encore. Et remarquer. Hop. Putain, merde. Droite. Droite, droite. On n'est pas allé par là. Si, on est déjà allé par là. On a une salle verrouillée, par contre, à un endroit. Là où on peut monter. Merde. Tac. Par là. Putain. Je fonce juste comme ça en fait. Voilà, on passe par là. Ok, je peux pas le débloquer encore. Oh, on a une salle de boss. Et yes, c'est la salle qu'on a. Ok. On a quoi comme or? 102. Et là, épée de sang. Ok. Tac. Il nous faut de l'or en plus. Là-dessous, est-ce que c'est les mêmes trucs? Je sais pas. Est-ce que c'est les mêmes trucs qu'avant? Aucune idée. 31 quand même. Putain, qu'est-ce que je fous? Oh, bordel! Je voulais avoir des pièces en plus, mais ouais. Ils m'ont tué. Bon. En vrai, on a retrouvé le boss. Donc maintenant, on s'en fout un petit peu. Oh, le mage! Toi, t'es cool pour récupérer des pièces. On a besoin de... le cœur, non, pas forcément. Équipement. Enfin, si. Ouais, cœur niveau 1, juste 180. Et sinon, on a enchanteresse 140. Donc 140 en premier. Et c'était quoi le diamant en bas à droite? Enfin, ouais, tout en bas en fait. Mana. Ouais, ok. Donc il faut juste du 140 or pour pouvoir faire ce qu'on veut. Pourquoi il a un point d'exclamation au-dessus de sa tête? Ah, c'est quand on propose des nouveaux trucs. 500, trop cher. Oh! 250, trop cher. Il n'y a toujours pas de d'armure, mais... ok. 140, il nous faut. Et là, on sauvegarde à nouveau. Donc, il nous faut 140 d'or pour trouver en fait, pour avoir l'enchanteresse, je crois. Ouais, c'est l'enchanteresse. Donc, hop, confirmé. Puis là, on va essayer de foncer juste pour l'or. Donc, on a ça. D'ailleurs, on est en téléporteur. Je crois qu'on a plus les sacs là-bas. Si on se téléporte là, on n'a plus. Ok, voilà. Ouais, ça a été utilisé. Mais, on a toujours les statues qui, non, ne nous donnent pas ce qu'il nous faut. Ok. Là-dedans, d'accord. Il n'y a pas moyen de passer en dessous d'ailleurs. Donc je peux pas l'attaquer. Là. Merde, je suis con. Ok. Tac, 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 tac. Ok. Nickel. C'est parfait. J'ai un peu mal géré quand même. Hop, hop, hop. Oh, nickel, double. Combien? Ok, non, ça c'est pas tapé. On est à 45 vies. Encore. Ok. Là. Il y a un passage ici, ok. Yes. Nickel. On passe par là, vu que du coup, c'est un peu galère de passer quand même. Ok, on peut pas casser ça. Yes, voilà, un peu. Bon, ça donne rien. Oh, 6. Tac, j'ai un peu peur quand même avec les boulets à chaque fois qu'ils me tapent avec la tête. Mais non, en vrai, ça va.
Donc là, ouais, c'est un peu plus galère ici. Si on passe par... Il y a un boss là. C'est quoi, c'est un boss? On est d'accord? Non, c'est pas un boss. Vraiment. Parce que là, il est vraiment tout grand. Vas-y, viens, viens, viens. Oh, mince. Les zombies sont attirés par moi. C'est cool ça. Ok. 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 Hop. Là. Ok. Ok. Ça fait trop de dégâts ça. Ok. 42 pièces, c'est vraiment pas assez. Je sais pas comment on va pouvoir se démerder. Voilà. Voilà, ok. Ok. Vraiment, il y en a un là-haut? Ok. Ok. Putain. Allez, merde. Ok. Putain, c'est galère. On va essayer de monter là quand même pour voir s'il n'y a pas un autre truc en haut. Parce qu'en vrai, il nous faut la masse d'or et tout pour les équipements. Là, on n'est pas tellement dans le bon chemin. Et en vrai, on est plus en train de prendre l'or, mais sans en avoir assez à chaque fois. On en prend quand même assez, pas mal, mais on n'en a pas assez pour nos équipements et tout qu'on veut. Donc au final, en fait, on l'utilise pour rien. Donc voilà, surtout l'or des coffres. L'or des coffres, je devrais le prendre si j'en ai déjà beaucoup sur moi, en fait. Si j'en ai pas beaucoup sur moi, c'est inutile. Donc, on va pouvoir le laisser si c'est inutile, si j'en ai pas beaucoup sur moi. Là, hop, voilà, on passe par en dessous, quand même. Hop. Ok. Tac. 6 or. Il y a une autre salle ici. Il y a un autre téléporteur. Et... Ça nous téléporte où? Oh! Terre des ténèbres. Oh putain, faut faire gaffe. Hop. Putain. Ouais, quand même. What? Ouais, ok, ça fait du violent quand même. Utiliser la mana pour tuer les ennemis plutôt que... Ah, mana! Oh, mais je suis con, pourquoi j'utilise pas mon attaque spéciale? J'oublie à chaque fois de l'utiliser. Faut vraiment que je l'utilise maintenant. Parce que là, bon, là j'ai 18 pièces en vrai, donc quand j'ai dit tout à l'heure qu'on utilisait vraiment, qu'on prenait vraiment beaucoup de pièces au début, c'est pas tout le temps non plus. Il arrive où j'en prends que 12, 18, comme là. Mais en général, oui, on en prend pas mal. Du coup, là, c'est un téléporteur aussi, apparemment. Donc, logiquement, non, on peut pas. En vrai, on a déjà un beau château assez grand. Donc là, on va pouvoir se prendre... Oh, on a des PV en plus qui ne servent pas à grand-chose. Ah, c'est un seul. Ok, un seul couteau. Ok. Ok, nickel. Ok. Ok. Vas-y, viens. Merde, je peux pas l'attaquer. Ok, non, je peux pas l'attaquer ici. Là, voilà. On passe par là. On n'y est jamais allé. Oh putain, yes. Non, on n'a plus de mana. Merde. Et merde. Hop. Voilà. Nickel. Comme ça, on passe. On fait à chaque fois ça. Voilà. Si on a assez de force. Ok. En vrai, je sais même pas si ça me fait des dégâts, ces trucs. Non, ça ne fait pas des dégâts. Putain! Oh, c'est quoi cette esquive? Cette esquive non voulue. Et pourtant si bien. Ok. Nickel. Bon, on n'a pas beaucoup d'or, mais... C'est toujours ça. Ok. Nickel. Putain. Yes. Ok. Je commence à un peu mieux gérer quand même le perso. Voilà. C'est un peu mieux. 36. Oh, merde, c'est une carte. Poitrine de l'écuyer.
Ah, ça nous permet quoi en fait? Poitrine de l'écuyer par exemple. Bon là j'ai fini cette salle mais voilà, si on va en bas, à droite, hop, il n'y a pas grand chose. Faut aller en dessous. Il n'y a pas grand chose non plus par là. Mais voilà, bon, dans l'idée, voilà, il faut faire ça. Ok, on va bientôt mourir. Et 84, on n'est pas, ouais, pas assez d'or. Certaines classes ont des avantages contre les boss. Ah, ça, c'est cool de savoir ça. Bon, en tout cas, c'est la fin de la vidéo, donc voilà, ça fait assez longtemps. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était l'Argo. Tchuss!